Donc, quelle austérité! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer à un jeu qui m'a été, non pas une fois, mais deux fois, non, enfin, en gros, une centaine de fois réclamé par la même personne qui se reconnaîtra, bien entendu. Donc, nous allons jouer aujourd'hui à Lamerzone, jeu sorti sur PlayStation et sur PC, si je ne me trompe pas, et sur Mac aussi. Effectivement, un jeu édité par Microïd et Casterman, oui, ceux qui ont fait Tintin. Enfin, l'éditeur avec Tintin, exactement. Alors, nouvelle partie, sauver ou charger, bien entendu, on commence une nouvelle partie, mais quelle austérité, oh mon dieu! C'est parti! C'est vous le journaliste, pas vrai? Je lui ai donné votre lettre l'autre jour. Le professeur l'a sans doute lu. Il en a reçu une autre ce matin. Je l'ai mis dans sa boîte. C'est une lettre du muséum. Oh, les lettres du muséum, c'est jamais des bonnes nouvelles. Vous n'aurez qu'à la lui monter. Il a du mal à se déplacer, vous savez. C'est un vieux monsieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez mon avis, faudrait qu'il voit un docteur. Enfin, moi, ce que j'en dis. Ah bah oui, effectivement. Alors, bon, bah du coup, ça commence là, apparemment. Alors, donc on se dirige avec bah, les croix ou le joystick, hein, c'est au choix. On a des flèches qui indiquent les endroits où on peut aller ou pas aller, donc je pense qu'on peut pas aller de ce côté. Ouais, on peut aller que en face. Je vois si j'ai deux menus. Si je fais R1, il se passe rien. Si je fais R2, il se passe rien. L2, R2, il se passe que dalle. Si je fais carré non plus, si je fais triangle non plus, ah, si je fais rond, ça fait quelque chose, je pense que ça va peut-être ouvrir le menu, ouais, c'est ça. Donc on a un bug, on a quelques petits emplacements pour les items, mais bon, bah, apparemment on n'a rien, c'est normal. On va revenir en arrière donc, dans le jeu. Donc c'est un point and click, hein, si je me trompe pas. On va donc avancer bah, là d'où vient le postier, donc c'est des graphismes, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, c'est des sphères de texture, hein, ce qui fait qu'on a l'impression d'être en 3D, mais en fait, on se rend bien compte que c'est juste une image, un peu comme à la Google Street. Oh, regardez, on peut peut-être aller par là. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'est le genre de jeu qui ont tendance à être très très long et pas mal d'énigmes. Allez, on va utiliser le truc pour viser. Oh, regardez-moi, ces beaux pixels, c'est incroyable! Alors, 180 degrés, 90 degrés. Je peux pas aller plus loin. Est-ce que je peux zoomer? Il y a une touche pour zoomer, ou je sais pas. Non, je peux juste en sortir. Alors, à mon avis, c'est pas innocent le fait qu'il y ait un truc là. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir, à vérifier. Bah, il nous pointe là-dessus. Bon, si, il faut suivre les oiseaux, je pense. Je sais pas s'il y a grand chose à faire avec ça. Non, j'ai pas l'impression. Bon, 90 degrés, on va garder la boussole. Hein. Et on va sortir de l'item. Bon, c'est un petit peu comme Egypte. Enfin, en tout cas, dans le maniement, ça ressemble beaucoup. Évidemment, on a une ambiance très sobre. Pas de musique, je sais pas si c'est normal en revanche. Mais en tout cas, on a au moins une ambiance derrière qui est assez sommaire. On va avancer jusqu'au dire un phare, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça va être un phare. Les chargements qui sont assez longs. Alors, on peut ouvrir la porte, ok. Rien, genre toujours dans les jeux, ce genre de ce style. Regarde, on a une lettre là. On va essayer de la prendre. On va essayer de la lire, non? Alors, monsieur, nous avons examiné avec plus grande attention votre nouveau projet
expédition en Amazon et sommes regrettés de ne pas pouvoir donner une suite positive à l'aide que vous sollicitez de notre part. En effet, d'une part, la conjoncture actuelle ne permet plus de financer une exploration aussi hasardeuse. On est en 1936 apparemment. Hein. Enfin, au moins un petit peu après. Toujours pas renoncé à cet empiriste fallacieux qui fut jadis une source de lourds contentieux entre vous et le muséum, cette vénérable institution que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui, garde encore en mémoire l'amère déception et les moqueries que firent naître dans le monde scientifique les résultats de votre première expédition de 1936, que nous avions eu au départ la faiblesse de cautionner. Comme mes honorables prédécesseurs le firent autrefois, je me permets de vous mettre en garde contre les dangers d'une entreprise de la fantaisie aventureuse dans le pas sur l'austère rigueur scientifique. Édouard Mulot, conservateur. Ok. Ouais, ok, bon bah pourquoi pas, on va revenir en arrière. Est-ce que je peux rentrer du coup, même si j'ai pris la lettre? Je pense que oui quand même. Ah, voilà, il faut mettre la main sur la porte. Hop, et voilà. On va rentrer. Ah, il y a de l'orage en tout cas. Alors, est-ce que je peux aller vers là? Tiens, est-ce que je peux aller vers ce côté? On va faire un peu le tour avant de rentrer. Voir un peu ce qu'on a. Ah. On sent qu'on est près de la mer quand même, ça c'est bien. Est-ce que je peux aller par là? Non. On peut juste se balader, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose. On va avancer un petit peu. On va aller là-bas. Peut-être de l'autre côté il y a quelque chose. Bon, ça se trouve je suis en mode recherche extrême alors qu'en fait faut vraiment aller tout droit. Mais bon, je vous dis c'est vraiment le type de jeu. Bon par contre je vous cache pas que l'ambiance est quand même super bien rendue. J'espère que c'est pas un jeu qui fait peur. Je pense pas d'ailleurs mais bon. Excusez-moi. Allez, on va passer directement à l'entrée. Mais le fait qu'il ait jamais lu la lettre, à mon avis, va pas être très, très en point le monsieur. Voilà, ça charge. Il vient toujours autour de nous. Mais là, vous remarquez qu'on n'a pas notre ombre. Hein. Évidemment. C'est un jeu à la première personne. Resident Evil. Non? Non, ça aurait pu être ça. Oh, la petite musique toute douce, ça c'est cool. Alors, on a... Ok, donc on peut aller à l'étage, mais... Quelque chose me... ça on va le prendre. Voilà. Je le prends, je sais pas si c'est un intérêt. On va aller directement en bas. Bien sûr, il fallait pas, hein. Par contre, je commence à comprendre pourquoi quelqu'un, enfin je ne dirai pas le nom de la personne, il se reconnaîtra, voudrait absolument faire ce jeu en VR. Hein. Je vais comprendre l'idée. Et une poignée. Tu es mort? J'ai pris le jus? Ah non, j'ai allumé. Ok. Ça m'a l'air un petit peu dégueulasse quand même. Bon, on peut remonter si on veut. Ok. Bon, on va avancer. Ça se trouve, il fallait absolument pas faire ça. Mais bon, écoutez, on va le faire. Alors, tac. Ah là, ça craint, mais c'est le genre de situation que je déteste, c'est arriver dans un couloir sombre. J'ai l'impression d'être une petite fille de 5 ans. Alors... Là on est au pied, j'ai l'impression du... Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre d'ailleurs comme... Ça sert à quoi ce truc? On va descendre. Alors descendu sans avoir vu la personne, donc peut-être qu'il fallait le faire. On va y aller, on va passer par là. Alors c'est aussi le type de jeu qui aurait pu être fait, comment dire, en 3D temps réel, hein, plutôt que d'avoir des trucs comme ça. On avait fait Atlantis sur Saturne d'ailleurs, j'ai pensé. Oula, alors je sens que je vais me paumer. On va descendre. On s'enfonce toujours plus profond. Ah, il y a un truc à activer. Est-ce qu'on a quelque chose autour? Non.
Ah, il me faut des rouages. Ok, donc je peux pas utiliser pour le moment. Par terre, il y a d'avoir rien du tout. Ok, donc on va revenir. On va plutôt passer par... On va remonter. On va essayer de passer par le côté. Donc on remonte. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Bon, comme j'expliquais, je donne plus 1 à l'ambiance. Ah mais en fait c'était pas là qu'il fallait aller, attendez. Elle allait directement sur le côté. Ok. Ouais, ici. Oh, regardez, on a plein de choses là. Alors, je ne sais pas ce que c'est concrètement. J'ai pas l'impression qu'on puisse utiliser. On a une machine à écrire, on a une disquette. On va prendre d'ailleurs. Il faut pas les prendre, hein. C'est comme Oblivion, enfin Elder Scroll, on va éviter. Là, je sais pas ce qu'on peut faire. Ah. Ok. On a activé peut-être quelque chose, je ne sais pas. On va revenir en arrière. On va redescendre. Je pense pas que ça fasse quelque chose, mais bon, on sait jamais. Je vais me tester. On va avancer. Alors, il faut vraiment être fan de ce genre de jeu, évidemment. C'est un jeu de patience, c'est un jeu de recherche, d'énigmes. Un point que ça marche pas du tout. C'est même pas ce que j'ai activé, honnêtement. Donc, on va remonter. Je vous propose d'aller remonter voir la personne peut-être en haut. On va repasser. Alors, là, on était déjà. On va voir si tout a été maintenu d'ailleurs, ce que j'ai fait. Ok, bon, on a remis le jus. Et si je fais ça? Ah! On a allumé le poste? Ah, j'appuie, il se passe rien. Attends. Ah, là on l'a allumé. Je pense que c'est allumé. Ah, pour regarder, attendez. On a une petite... Ah, il faut vraiment passer par... J'ai vu une petite loupe. Alors, Hydrafort Operating System. Ah, ici il faut qu'on mette la disquette. Donc on va aller chercher la disquette que l'on a récupérée pour le mettre dans l'ordinateur. Jusque-là, ça me paraît logique. Voilà. Et on va la mettre dans le lecteur de disque. Ah, le fameux mot de passe. Alors je ne le connais pas. Donc on va revenir en arrière. Je pense qu'il faut pour il faut le récupérer. On peut l'avoir avec quelque chose. Je vais revisionner la lettre une dernière fois quand même au cas où. 136. Oh, je doute que ce soit dans la lettre quand même. On va revenir en arrière. Comment on ressort de là d'ailleurs? En tout cas, on l'a démarré, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai bien regardé autour de moi, ne rien avoir oublié quand même. Bon, le code, à mon avis, on va le retrouver en haut. Ah, c'est bon, je suppute. Donc, on va aller là-bas et on va remonter. Voilà. On va grimper par l'escalier. On va revenir en arrière, voilà. Et on va aller voir le monsieur, peut-être qu'il a un code qu'on peut récupérer sur sa commode, je n'en sais rien. Alors on regrimpe. Alors le fait d'avoir un marteau, je sais pas quoi ça va me servir par contre. Allez, on va monter. Alors, genre, toujours autour de moi, s'il n'y a rien à prendre. Ok, rien du tout. On va remonter.
Oh, regardez. Bon, là, il y a pas mal de choses. Alors, apparemment, il y a d'autres personnes. C'est le monsieur là-bas, je sais pas. Ah, il y a encore un étage, encore, à mon avis. On va avancer. Souvenez-vous, on a un code à récupérer. Alors, peut-être qu'il faut le récupérer là, je ne sais pas. On va un petit peu naviguer un peu partout. Ah, bah, il y a un monsieur là, c'est bien ce que je pensais, il y a un monsieur qui dort. Monsieur, vous auriez un code par hasard? Dites-moi un chiffre entre 0 et 1000. Gna gna gna, 1900, je sais pas combien. Bon. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir autour? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est comme dans Resident Evil, on peut retourner les objets, voir un peu derrière? Non, j'ai pas l'impression. Elle a l'air un peu. Ah ouais, on dirait une personne qui vient justement de la mer, de la Merzone, enfin de. L'Amazonie, enfin d'Afrique du Sud. Elle look un petit peu indien. Ah, on peut regarder dans le coffre. Alors ce que j'ai là, c'est qu'on peut regarder, le mec il nous dit rien. Ah ah, qu'est-ce qu'on a? Mince, je me suis trompé. Alors attends, on va repliquer dessus. Bon. Autant les graphismes sont plutôt moches, on est sur Play 1 hein, bien sûr, donc faut pas non plus trop demander. Mais autant franchement l'ambiance sonore, moi elle me plaît. Ah, j'ai encore appuyé au mauvais moment. Sur le bouton, c'est pas grave, on reclique dessus. Alors, on a ça, 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 on va regarder ce qu'il y a là. On va le raser notre inventaire avant de lui parler. En plus, apparemment, pour lui parler sur la couronne acoustique, il doit être sourd, monsieur. Mon ami, c'était avec une grosse teinte d'incrédulité que j'ai reçu tes nouvelles après plus de 50 années de silence. J'avais, je l'avoue, à jamais désespéré de que nos routes se croisent à nouveau, et pour tout te dire, je pensais qu'il n'y a déjà plus de ce monde. 98! Ah oui, l'expédition date de 36 quand même, ça fait quand même pas mal. On va revenir en arrière du coup. Comment on fait d'ailleurs? Faut aller là? Ah, il faut aller là. Car nous sommes hélas bien vus aujourd'hui et dans mon cœur au bonheur de te retrouver ce mène l'inquiétude de te voir à ton âge entreprendre une aussi hasardeuse expédition. Mon vieil Alexandre, je pense partager avec toi ce sentiment de culpabilité envers ce pauvre pays d'Amerzone. Nous avons commis beaucoup d'erreurs que seule notre jeunesse peut expliquer. Aujourd'hui, au soir de notre vie, nous voulons préparer nos torts et ainsi tenter d'obtenir de nos semblables ou de nous-mêmes une rédemption terrestre bien dérisoire au regard de la justice divine. Tout cela est bien humain, je te l'avoue, mais quelle folie de repartir à ton âge à travers la forêt et les marais d'Amerzone. Tu échoueras en chemin et tu laisseras ta vie. Et puis l'Amerzone que tu as connue n'existe plus. Mon pauvre vieux, les choses y ont changé comme dans le reste du monde. Tu me parles des oiseaux blancs, mais j'ai fini par croire qu'ils ne planent plus que dans les vapeurs d'alcool où se perdent volontiers les quelques indiens dénaturés que la marche inexorable du projet a épargné. Tu dois me trouver ma mère Alexandre, mais si tu ne savais comme ce pays est devenu triste, comme si une malédiction implacable l'avait frappé. Cependant, si tu persistes dans ta détermination de retourner en Amerzone et que, comme tu le projettes, tu fais escale à la mission de Puebla, sache que tu trouveras sans doute pas le compagnon des aventures de jeunesse, mais un pauvre vieillard édenté qui sera heureux quand même de te recevoir sous son toit. Alors nous irons, comme deux fantômes fatigués, nous asseoir au bord du fleuve, voir le soleil se coucher de notre vie. Dieu te protège. David Makowski. Ok. Est-ce que je peux live? Je cherche comment sortir de cette page. Ah voilà, oui, si on va à droite, on revient en arrière, en bas à gauche. On va lire ce document d'ailleurs, ça c'est la lettre qu'on a reçue, donc ça c'est un autre document. On va le lire. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à lire. Cher monsieur, je vous transmets les sincères salutations du président Alvarez qui, souffrant, ne peut vous répondre lui-même. Les lois de notre pays ne doivent pas être les mêmes pour tous, et les liens d'amitié que vous eûtes jadis avec notre guide suprême ne peut vous faire bénéficier d'aucun passe-droit. Pour donner suite à votre demande de visa pour la Merzone, ok. Nous vous souhaitons plus que le pays soit un terrain d'expédition scientifique. Mythologie indienne comme tous les semblables. Bon, ok. Est-ce qu'il y a une page à la fin? Non, j'ai pas l'impression.
On va revenir en arrière. On va voir s'il y a autre chose à regarder autour avant d'aller lui parler. Je trouve il aura plein de choses à me dire intéressantes ou pas d'ailleurs. Là il n'y a rien. Je reviens un peu ici, il y avait la photo. Bon, moi je cherchais un code à la base. Bon, on va lui parler. Vous êtes le journaliste. La mer zone. Oula. De ses têtes. Trop tard. C'est fini pour moi. Je n'ai plus la santé, vous comprenez? C'est comme ça. De toute façon, la mer zone, tout ça, personne ne m'a jamais cru, alors... Après toutes ces années, c'est incroyable. L'œuf, il est toujours vivant. Vivant! J'avais décidé de le ramener là-bas, en Amerzone. Mon expédition est prête et j'ai tout prévu jusqu'au moindre détail, mais... Je n'ai plus la force. Il faut que vous y alliez à ma place. Ramenez l'œuf des oiseaux blancs en Amerzone, je vous en prie. Il est mort là ou il est juste totalement fatigué le pauvre. Bon, apparemment il faut qu'on retrouve l'existence, enfin en tout cas 9 oiseaux blancs. On en a vu déjà mentionné plusieurs fois. Alors on va pas passer par là, on va voir si on peut quand même avancer. Peut-être monter, non? Plus lui parler, hein. À mon avis, ouais, il est down le mec. Ok, c'est pas grave. On est encore un tout petit peu en dessous s'il y a rien. Ok, allez, on va monter. Pas trop perdre de temps non plus. Déjà 23 minutes, on n'a même pas commencé. Ok. On a un globe. On a la sono. Ah, on va rater ça. Le noco femelle, le... Alors, je sais, le noco, ouais, N-O-C-C-O, je pense. Le noco mâle. En arrière. Alors c'est un petit peu dommage, c'est que des fois l'ambiance ne reste pas quand on observe des choses. C'est un petit peu dommage. Alors on a une échelle, on pourra aller juste après. On va regarder s'il y a autre chose à visionner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas ça, une plume. Ah, on a carrément piqué le bouquin, quoi. Ok. Bon. Alors j'imagine qu'on va récupérer pas mal de choses et certaines choses ne seront pas forcément utiles. Donc par exemple les lettres, enfin je vais quand même lire ce qu'on a reçu, mais à mon avis c'est peut-être pas important, on va voir, alors déjà on a quasiment tous les emplacements qui sont pris. On va le lire un peu. Voyage en Amerzone. Le voyage est préparatif. Pouébla, le fleuve Amerzone, chez les Marie et Volcan, auteur en zoologie, doit son nom du fait que sa migration annuelle l'entraîne vers le delta du fleuve Amerzone où elle établit ses quartiers d'hiver. Le moyen le plus simple d'atteindre les rivages Amerzone serait de suivre le même cap que les oiseaux. Il ne fallait également tenir compte des impératifs de ravitaillement en carburant. David Antonio regarde les oies s'envoler Amerzone. Quel beau dessin. Ah mais ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est que souvent les créateurs des jeux un peu d'aventure dans ce style-là, ils ont vraiment une patte à eux, ils ont vraiment une histoire qui leur est propre et du coup en général c'est plutôt bien léché ce genre de jeu. Enfin, tout ce qui est scénario, background, etc. est quand même assez fort. Et là, voilà, ils sont amusés à faire des croquis et tout, et c'est quand même intéressant. Enfin, nous partons, donc, 1932, nous suivons un petit groupe d'oies, Hydra Flotte se comporte à merveille, je suis très fier de mon invention. Ah oui, c'est un Hydra. L'Hydra Flotte, ok. Alors, l'épreuve, il y a une petite possibilité, grappin, démarrer, disque, klaxon. Eh hey, regardez, on a carrément un tuto limite si on veut l'ouvrir. Et regardez, il est marqué 5 degrés. Ça se trouve, ça peut être utile plus tard. Alors j'avance un petit peu quand même pour qu'on avance dans le jeu. Des cachelots en grand nombre ayant tenu domicile. Je crains que nous en ayons heurté en approchant de la passe de commande. Comment d'accès à l'atoll. Ah mince. Il est échoué pour tenir son nom. Rendez-vous pour tous les nanas.
Besoin d'essence pour l'hydraflotte, ok. Le cachot nous a heurté à côté de sa avarie sur notre hydraflotte. Je crains que si la Providence ne vient pas en aide, notre aventure s'arrête ici sur cette île maudite. 1er novembre, j'ai perdu tout espoir de réparer l'hydraflotte. Bon, le mec quand même, il a pris 6 jours quand même avant de se décider. Notre morale est au plus bas, nous sommes bel et bien prisonniers de l'Altol funeste, nous passons notre temps à écouter des récits des voyageurs du passage, puis nous les regardons repartir le cœur serré. Du seul oui, 24 novembre, un baleinier péruvien accepte de nous amener en Amerzone, mais c'est trop bien. 1932, 25 décembre, nous débarquons sur les rives de l'Amerzone à perte de vue un delta du fleuve Amerzone. Okay. Le voyage est bâti sur un ancien fort qui servait jadis le comptoir aux conquistadors. Pardon. L'unique voie de communication est une antique ligne de chemin de fer. Ce village est un lieu de marché florissant pour toute la population de la région. Disons, recueil assez complet. Vautour d'Amerzone, ok. Ok, Malascatos, très commun dans tout le village de Pueblo, les indigènes en raffolent. Lui attribue des vertus apaisantes. Donc on a tous les types d'araignées, j'ai l'impression. On dirait les araignées. Enfin, c'est pas vraiment les araignées, mais bon. Ah, des cafards, voilà. Cafardus. Ah, c'est une homme à parler d'étranges oiseaux blancs. Il essaie de me servir de guide pour remonter le fleuve. C'est un métis qui habite dans la jungle, à 10 jours de pirogue de Puebla. Donc, d'où le fait qu'ils vont aller voir des oiseaux blancs, d'ailleurs. Chauve-souris calibrée, toucan alligator, mon guide. Donc, ça, c'est lui. Les alentours de la modeste habitation de mon guide sont, d'un point de vue zoologique, une grande richesse. Ok. Un ventousier. Ok. Un porcopotamus, un buffle tricorne. Alors je connais pas absolument pas ces animaux, hein, donc à mon avis c'est un jeu, mais peut-être qu'il y a vraiment des animaux comme ça qu'on n'a pas découvert, j'en sais rien. Des méandres du fleuve Amerzone, Rhinopotamus. Oui, on dirait un mix avec trois cornes d'ailleurs. Étrange lizard piscivore. Ouais, on dirait quand même des créatures. Fausse créature, hein. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment, pêchosaure. Ensuite, un campement dans une des nombreuses criques qui jalonnent le fleuve, ok. J'aperçois un loin village indigène, j'ai été en contact avec ces indiens, je pense que c'est leur présence toute proche qui a fait fuir mon guide. Ah, le guide s'est barré, ok. Évolution favorable de la maladie autorise enfin à reprendre les cours de carnet, j'ai été accueilli par les habitants qui, étrange village apparemment voué à un culte dont la nature m'échappe. Nourrice de. Ah, alors, on est en train de lire un bouquin, hein, concrètement. Yekoumani. Très joli dessin d'ailleurs. Ah, c'est peut-être elle qu'on a d'ailleurs sur le portrait dans le bâtiment. Les chutes d'eau sont une formidable source d'énergie. La mécanique et la physique peuvent améliorer grandement leur existence. Avec leur aide, je leur mets au point à différentes machines destinées à les libérer de leur servitude quotidienne. D'accord. Contrepoids et ascenseur des chutes. Ok. Mécanisme d'ascenseur. Mais je sens qu'on va devoir y retourner. Donc ce bouquin, à mon avis, quand on va aller dans l'Amerzone, on va devoir l'utiliser. Il y aura dernière une commande. Je suis sûr qu'en fait, c'est ce bouquin est limite un tutoriel pour montrer où aller, etc. dans le livre. J'ai assisté à une étrange cérémonie. Et voilà, le fameux œuf d'oiseau blanc à Visalba. Un jeune. Bon, on va pas tout lire parce que vraiment il y a trop de trucs, donc on va laisser tomber à ce niveau-là. Par contre, est-ce que par hasard à la fin on a un code dans le bouquin? Girafe palmée. franchement, il y a l'imagination derrière. Hein. Tout le monde dégénéré. De toute façon, que les misérables petits oiseaux. Elvis Alba, donc ça ressemblerait à ça en fait, l'oiseau blanc. Ok. Bon, on en a appris un petit peu plus quand même, mais dans tous les cas. On va revenir en arrière. Retour. Donc on va prendre le backpack. Ouh, que de choses à lire. Hein. Alors. D'ailleurs, on a. Je sais pas ce que c'est. Là, on a fait un peu le tour. On va voir quand même ici. Oh, c'est trop cool! Bon, il revient toujours au même endroit. Et on va regarder la petite vidéo. Ouais. De toute façon, on peut regarder la vidéo spécialement, mais...
La Merzone est une contrée datant du XVIIIe siècle. Ah, mais il faut une cassette. Alors attendez. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Non, c'est une disquette, c'est pas. Ah mince! Attendez, attendez, attendez. Attendez, je suis bête, on va revenir dessus. Voilà, on va le fermer. Voilà. Donc là, il y en a une photo. On a une autre photo. Ah bah c'est la fameuse fille qu'on a vue au début. Si je fais ça, il se passe quoi? Il se passe rien. Bon, allez, je vous propose de monter, histoire de voir un peu plus ce qu'il y a en haut. Alors, on va voir. Ah ben non, mais juste on est deux juste devant là. On va monter, hein. Ok. Oh, regardez-moi ça, il y a une bestiole sur le côté. Normalement, il est mort depuis le temps, j'imagine. On va avancer. Enfin, on va observer surtout. Et il y a encore des documents. On va récupérer les documents. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Autour de nous, on a juste le toit. Non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Bon, bah écoutez, on va redescendre. On va redescendre, mais je sais pas trop ce que ça nous aura. En quoi ça nous aura aidé cette histoire. Il n'y a rien. Tiroir. Rien du tout. Là, on n'a rien. Allez, on va peut-être redescendre. Okay, il s'est pas réveillé. On va juste lire le truc qu'on a pris en dernier. On va voir si ça a un intérêt quelconque. Alors la cassette, on va la remettre. Comment je fais pour enlever la cassette? Au secours, tu peux te mettre s'il te plaît? Ah. Voilà, je suis un vieil homme au sort de sa vie, je sais maintenant que j'aurais plus la force de partir. Je m'appelle Antonio Alvarez. Accepter l'évangélisé. En questionnement. Il explique sa vie évidemment. J'essaie de trouver un code en fait dans le truc. Mes forces revenaient rapidement, mais mon inférieure ne se résolvait pas à abandonner les soins qu'elle avait pris l'habitude de me prodiguer. Pour tout dire, nous quittions plus. Elle s'appelait Yekoumani, du fait voilà qu'il y avait des photos partout. Je l'ai aimée, elle m'aimait, et les mois qui furent sont les plus beaux de ma longue vie. Un jeune indien que je connaissais pas arriva au village, il fut accueilli par des cris de joie, nanana. Me fit un signe de me lever en silence et d'observer ce qui se passait au travers des murs de branchages de notre cave. Portant un gros sac de toile maintenu sur son dos, encadré par toute la tribu qui faisait une sorte de haie d'honneur. Sans un mot, le sorcier introduisit dans l'œuf par son sommet une longue tige creuse, très fine, à très limitée supérieure, à une forme d'entonnoir. Par cet artifice, il fit pénétrer dans l'œuf un liquide mystérieux, puis après un moment d'attente, retira la tige. Des fumerolles blanches s'échappaient maintenant de l'orifice créé par la coquille dans la coquille. Le vieil homme entreprit colmaté avec une sorte de glaise blanche, puis, appliquant une main sur le flanc de l'œuf, il leva vers l'autre, vers le ciel, en s'adressant au jeune garçon, prononçant les paroles suivantes: Vola-o-vo, vola-o. Ok. L'œuf fut remis dans un sac de toile, et après s'être restauré et reposé, le nien repartit vers le marais. Ok.
J'étais comme un fou, je rassemblais mes quelques bagages, puis j'attendais la nuit pour fausser compagnie à mes hôtes. L'œuf, la preuve de l'existence réelle des oiseaux blancs, je voulais cet œuf plus que tout au monde, le rapporter en Europe, les voir exposer dans la salle principale du muséum, goûter à la gloire d'une reconnaissance scientifique mondiale, obtenir une chaire de la faculté, à la faculté. Tous les démons de l'ambition avaient irrémédiablement réinvesti mon esprit. Bien sûr, quitter Yekomani me brisait le cœur. À l'instant de nos adieux, je devinais dans son regard la grande confusion de son esprit. Ok. Que je portais n'était sans doute qu'un gros œuf d'autruche. J'étais qu'un fumiste indigne de leur confiance. Je suis venu la risée de la communauté scientifique et ma carrière fut brisée à jamais. Ouais, d'accord, ok. Que Dieu vous garde. Tout est prêt. J'ai mis au point une nouvelle hydraflotte, un engin spécialement conçu pour l'expédition. Je l'ai étudié, tout calculé, j'ai corrigé toutes les imperfections. Je suis un vieux homme maintenant. Je n'ai plus la force d'entreprendre un tel voyage. Alors c'est vous qui semblez manifester quelques intérêts pour ce pays. C'est à vous que je demande de prendre ma place. Allez en Amerzone et apportez l'œuf. Je vous en conjure. Bonne chance et que Dieu vous garde, mon ami. Ok. Oh my god, bon. On va revenir en arrière. Bon, j'ai pas de code, par contre j'ai un marteau. Alors je sais pas quoi ça pourrait me servir. Plutôt on va ressortir, on va aller vers là. Je peux sortir d'ailleurs. Là il veut. Ok, on va ressortir, on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Il peut rien avoir là, on est d'accord, hein. Par terre, je peux pas y aller. Il n'y a rien à faire, on va redescendre. Alors ce qui est dommage un petit peu quand même, c'est le fait qu'il n'y ait pas de musique. Parce que par exemple, on en avait dans comment ça s'appelle, dans Égypte, et ça entretenait une certaine ambiance, parce que là, c'est tellement bas. Si je ressors, il se passe quoi? Je ressors, il se passe quoi? Enfin, passe quoi? Pas le politique, hein, mais... Est-ce que je peux descendre sur les côtés? Non, c'est quoi? On va aller tout en bas et on va essayer d'utiliser le marteau. Peut-être qu'avec un marteau, on pourra tout casser, hein, je sais pas. J'ai pas récupéré le code, hein, donc tant que j'ai pas le code, je pense que je vais pas aller très loin. Il était où déjà là? Il était là. Ah oui. J'y suis un peu bête. Il va falloir que je rappuie dessus. Bon, on est d'accord, il n'y a rien du tout là. Hein. Voilà, à nouveau. Et on avance. On voit quand même qu'il y a des câbles hein, qui descendent à chaque fois, donc tout est relié, j'ai l'impression. Donc on va redescendre là aussi. Allez, on va passer par là. Alors par contre, ce fameux code, j'en ai strictement aucune idée. En bas, s'il n'y a pas quelque chose. Rien qui est tombé. Un truc qui pourrait me donner un indice, par exemple. On n'a rien. Ça. Si je revais dessus, il me demande un code. Operating System. C'est bizarre, il me redemande plus rien.
Alors le code. Ok, donc c'est 6 caractères, autant vous dire. Pourquoi déronner, c'est pas grave, on va revenir en arrière. On va laisser tomber cette histoire de. Oui, j'ai la main là, comme si je pouvais prendre un truc. On va laisser tomber cette histoire de code, on va prendre le marteau. On va faire revenir en arrière. Et on va aller tout en bas. Voilà. On va descendre à nouveau. Voilà. On va aller en face, s'il veut bien. Alors, faut que je mette quelque chose. Ouais, mais j'ai rien. J'ai vraiment rien. Pour ouvrir le bac, mais il n'y aura que dalle. Bon, dans le doute, on va essayer ça. Le seul mec au monde qui va caser ça au burin, quoi. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vois pas trop là, sincèrement. Le code il doit pas être dedans. On va revenir en arrière. Et là, je suis bloqué. Concrètement, pour le moment, je ne sais pas du tout où récupérer ce code. Un truc par terre là. On remonte. Ok, bon, ben, on a 43 minutes. On va chercher un tout petit peu. Et puis, si on trouve rien, on trouvera rien. Écoute, on va essayer. Alors, c'est peut-être dehors qu'il faut aller. Je sais pas trop. Autour de moi, il n'y a rien. Rien qui serait tombé. Ça se trouve, le code, il est au niveau du monsieur. Hein, mais le monsieur, on va pas plus cliquer dessus. Maintenant qu'il est tombé par terre. Enfin, qu'il est tombé. Qui s'est, je sais pas, assoupi ou mort, j'en sais rien. C'est sûr qu'il n'était pas très en forme. Alors. Vrai que c'est très 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 long en train de maniement avancer comme ça. Pas gagné. Alors, on remonte. Hein. Et où le vieux? Moins qu'il y ait quelque chose là. Hein. Là, on a un vélo. Non, par là. Quoi ça? Il y a des trucs qui venaient qu'il y avait un livre qui était posé à ce niveau-là. On peut pas le prendre. Allez, on remonte. Un truc là que j'aurais pas vu. Là on peut pas y aller, là on peut pas, là y a rien. Là c'est la porte de tout à l'heure, là c'est la fille qu'on va voir. Ouais, il y a l'horloge effectivement, c'est super. Lui, je vais lui parler. Oh, là il y a un truc là, mais je sais pas ce que. Pas. Et ben les amis, on a l'air bloqué quand même. Hein. Plus que bloqué. J'ai l'impression d'avoir fait tous les trucs, ça change rien. Parce que là, je peux faire tourner le globe, bon, c'est super. Mais une fois que je l'ai fait tourner, ça change pas grand chose. Et si on peut remonter en fait. Oui, enfin j'étais déjà en haut. Ah non! Oh, on n'était pas venu là! Bah écoutez, ça me rassure. Alors. Il y a une télé, il y a un émetteur. Il y a. Je sais pas ce que c'est là. On va regarder l'émetteur en premier. Arizona, es un país joven. Y el pueblo de la
estas vivos! Entonces estoy el padre! Y como un buen padre, tenemos que salir esta nación de la miseria! ¡Entre! ¡Viva la Amazona! ¡Viva la libertad! Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. On va regarder ça. Alors, on a des plans. Ah, c'est joli, on a un plan, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Au bout de page, on peut. Je m'en veux partout parce que. Jamais, là il dirait qu'il y a des plans, mais ça peut pas marcher. Bon bah écoutez, il y a rien. Il y a que dalle. On va revenir. On a, je suis sûr, quelque chose à faire dans la pièce, c'est pas possible. Il y a sûrement un truc. Ah, regardez. Voilà. Là, bon, on a le tableau. On a un truc magnétique. On a, je sais pas ce que c'est ça. Et là, il y a quelque chose. Ce que c'était, ce qu'on active. Ah! Oh, on peut passer par là. Trop bien, on est arrivé quasiment au plafond, au toit. Encore une échelle sur le côté. On va avancer par là. Tour. Bien autour de nous, hein. Toujours. Toujours faire ça dans les jeux d'aventure, un peu comme ça, un peu à la Myst. D'ailleurs, on n'a jamais joué à Myst. Ça m'y fait penser, un jeu qui est légendaire par sa difficulté. Bah écoutez, on va passer par là-haut. Prochain étage. Donc là, je pense que je reviens par là où j'étais. Non, c'est là, ok. Ok, donc je vais passer par là, on va passer par là, on va faire tout le tour. Ah, on a un petit truc qui nous indique quelque chose. Y'a rien par terre, hein, toujours. Là, y'a rien. Allez, on va regarder par là. Alors, il dit de suivre les oiseaux, souvent. Ouais, on voit les oiseaux, c'est super. Mais je suis censé voir quoi, en fait? Il y a des oiseaux. Rien du tout. Allez, on revient en arrière. Là, on a un peu tout vu à cet endroit-là. On va faire le tour. Alors, vous m'accorderez que c'est très difficile à noter comme jeu, puisque c'est qu'en finissant l'histoire qu'on sait si le jeu est bien dans ce genre de type de jeu. Donc je pourrais pas vous dire si le jeu est bien ou pas, hein, vous l'aurez compris. Moi je trouve que l'ambiance est plutôt pas mal. Voilà, donc faut vraiment aimer ce genre de jeu. Hein. Si vous n'aimez pas réfléchir, vous n'allez pas perdre des heures dans des couloirs, dans des trucs, bah effectivement, vous allez galérer. Déjà, je pense que c'est une énigme. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez. 1. Ça fait rien. 102. Je comprends pas. Là, je sais pas ce qu'il est. Non plus. Bon, laissez tomber, ok. Ok, donc ça c'est encore une énigme. Et ça c'est. C'est quoi ça? Alors, on dirait un truc pour mettre. Pour faire tourner en fait la capsule.
Là, il faut pointer quelque part. Mais alors, si je peux pointer 90, à la limite, je veux bien. Ah, ça l'a conservé en plus. Attendez, si je monte, ça fait combien? Non, ok. Bon, si par exemple je mets 90, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a des chiffres en bas. Du coup, je comprends pas trop le délire. Là par exemple j'ai 90, mais est-ce que ça change quelque chose, à quoi ça sert? J'en ai aucune idée. On va régler à 90. Vous voyez, quand je clique dessus, il se passe rien. Je sais pas trop. Là, on a ça aussi. Je comprends pas trop. Non, je vois pas du tout ce que c'est ce chiffre. Alors, certes, il y a des livres à lire. On a déjà plus ou moins lu en partie. J'ai quand même plus tendance à vouloir essayer. Ouais, ce 90 pour moi c'est ça, c'est les oiseaux quoi. Mais à part ça, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Alors là franchement, dans le genre bloqué, on est bon. Hein. À part lire les bouquins, je sais pas ce qu'on va faire. On va revenir là. Parce que là, bon, on a mis un chiffre. Parce que là, tout va bien. Mais ça ouvre quoi? Ça, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas du tout. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a à faire là? Ça, c'était la lettre. Ça, c'était le truc pour lequel on était d'accord. J'ai quand même envie de regarder ça à nouveau. Hein, désolé. Bon, il est 53, on va pas rester 2 heures hein, dans le jeu, on va essayer de voir si on trouve vite fait. 130. Ouais, oui, c'est là. Quand on revient en arrière. Attendez, on va revenir là. Quand on regarde sur le bouquin. Quand on est en page 2, là je me demande si pour revenir c'est tout simplement pas ça. Non, je sais pas comment on revient en arrière d'ailleurs. Bon, ici. Vous voyez là on est à cet endroit en fait. On voit qu'il se tourne vers la Merzone, 1932. On n'a pas de truc à 4 chiffres à mettre, c'est 3 chiffres. On a les oiseaux, c'est bien, je vois rien d'écrit en chiffres sur l'image. 19 octobre 1932, si on le découpe en 3, ça ferait quoi? Ça ferait 9.32, 932? 10.32, ça marcherait pas. 132? Ah oui, non, je pars peut-être super loin. Hein. Mais un chiffre qui aille jusqu'à 10, 32, le 19. Là par exemple, si on devait diviser en 3 chiffres, hein, garder que 3 chiffres. Pour moi, je garde seulement. Je garde soit 19, 10 ça marche pas. Soit le octobre 32, ça fait 10, 32, donc ça fait. 1.32. Bon, y'a rien du tout. Enfin, j'ai pas d'indice en tout cas par rapport à ça. Là on a l'explication. Et par exemple ils disent le grappin il doit aller à 5 degrés plus 5 degrés. On va essayer de prendre en compte le 5 degrés, voir ce qu'on peut faire.
arrière. Parce qu'il y a 6 chiffres en tout, hein. Que dalle, il se passe rien du tout. Ok, bon, on va revenir voir les oiseaux. Hein. Qu'est-ce que je vous dise pour le moment? Alors, on va chercher là. Si on regarde à 5 degrés, on a les oiseaux. Ah, mais attends, regarde. On clique dessus. Y'a rien. Y'a rien du tout. Là, bon, on a les oiseaux, ok, pourquoi pas. Mais 5 degrés, là, je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on serait censé voir à 5 degrés? Des grappins, hein, donc potentiellement il n'y a rien. Bon, écoutez, les 57, je sais pas du tout ce qu'on va faire là, mais je suis courant, je suis bloqué. Je vois pas du tout où il faut aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, on a pas mal de rouages à. Il n'y a pas que celui-là en fait à régler, il y en a d'autres. L'échelle on l'a vu, là on a fait le tour normalement. On passe par là histoire 2, mais normalement on a tout fait. On a rien sur le mur. Là on dirait qu'il y a quelque chose, mais en fait il n'y a rien. Là non plus. Ouais, bah écoutez, c'est le genre de jeu où il faut de la patience, moi j'en ai pas. Donc ça va être compliqué d'aller plus loin, puis là maintenant je vois pas du tout quoi faire. Après, ça se trouve je suis passé à côté d'un indice, hein. Je pense que la personne pourra me dire ce que j'ai raté et pourquoi j'ai pas pu avancer. Dans les commentaires, bien sûr. On va donc charger ça. Bon, ça c'est super, mais ça sert à quoi? Ah, je suis sûr qu'il y a un truc ici que je n'ai pas vu spécialement, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose. Là, on voit, là, il y a quelque chose qui donne des angles. La raflotte. Pas grand chose. Bon, bah on va redescendre, hein. De toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Écoutez, ça va faire une heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste regarder à nouveau ça, voir s'il y a quelque chose, un indice. Non, il n'y en a pas. Je vais regarder. Il y a autre chose là. Ouais, ça c'est un cafard horribilus. Là tout va bien. Qu'est-ce que j'aurais pu omettre? Cafard, on l'a vu. Là il n'y a rien. Bouquin, il n'y a rien. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors ça, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un parallèle à regarder un degré sur la carte, je sais pas, moi j'en ai aucune idée.
Ah, ok. Faut revenir en arrière. Bon, bon écoutez, c'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, c'était Lamerzone sur PlayStation. Je vous rappelle qu'il est dans son PC aussi. Là, sur Mac. Il est sûrement encore plus joli, hein, puisque là, c'est la taille des images, enfin, sur un disque. Je sais pas comment ça se passe. Apparemment, il y a deux CD en plus. Donc, le jeu m'a l'air vraiment assez long. Donc, un jeu, écoutez, ma foi, m'a l'air intéressant. En tout cas, l'histoire a l'air sympa. Par contre, voilà, il faut. Il va falloir prendre son mal en patience pour avancer dans ce jeu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde!